Comment t'as su où j'étais? On a vu l'hélicoptère de Pagan. Il ne vient jamais aussi loin, je voulais savoir pourquoi. T'as de la chance. On était dans le coin quand on a reçu le message de Darpan. Bon. Voilà. Bienvenue à Banapur. Foyer du Sentier d'Or. Qui est-ce? Où est Darpan? Il s'en est pas sorti. Je te présentais Jegail, le fils de Mohan. Si je comprends bien, Darpan est mort, hein? Et tu me ramènes ça? Eh, j'ai rien à voir dans toutes vos histoires, d'accord? Je veux juste aller à Lakshmana. On est au beau milieu d'une guerre civile. On n'a pas le temps d'aider les touristes. Qu'est-ce que tu voulais que je fasse? Que je le laisse là-bas? Désolé, mon frère. Amita peut être susceptible, je vais lui parler. Et pour Lakshmana, on dirait le nom d'un temple ou d'un sanctuaire. Mais dans ce cas-là, ce serait au nord. Le nord est en territoire ennemi. On ne peut pas t'y emmener, pas encore. Sors, respire. Reviens me voir quand tu seras prêt, hein? Mon mari adore coudre. Il faisait des vêtements pour toute la famille avant. Maintenant, il fabrique des uniformes. D'après sa balle, je ne devrais pas faire ça. Je t'apprends simplement à te protéger. Ah, le touriste. Je m'appelle Amita. Elle, c'est Badra. Salut. Continue. Écoute, j'ai mal réagi tout à l'heure. C'est la guerre. On perd des hommes tous les jours, on a du mal à s'en sortir. Est-ce que je peux faire quelque chose? Je suis pas un soldat, mais je veux aider. Ok. Bon. Il y a une ferme pas loin d'ici. C'est celle de Canaan, mais elle est vieille et a besoin d'aide pour se protéger des animaux sauvages. Je veux que tu rapportes les peaux intactes, alors prends ça. Badra. Mais enfin! Applique-toi. Essaie encore. Très bien. C'est Amita qui m'envoie. Elle dit que vous auriez des problèmes avec des animaux. Amita, j'ai pas la moindre idée de ce que je suis censé faire ici. Les loups rôdent souvent près de la ferme de Canaan. Elle en a tué un certain nombre, mais ils sont très agressifs cette année, et je m'inquiète pour elle. Ils ont une tanière dans le coin. Détruis-la. Je crois que Canaan range du matériel quelque part dans sa ferme. Tu peux te servir. Bien. Au fait, EJ, dépêche les bêtes. On a toujours besoin de peau. Thank you.
Amita, c'est le démon Yalung. Celle-là parle. Donnez-lui de la morphine et coupez cette putain de radio! Qu'est-ce qui s'est passé? Il est tombé. Pagan squatte la radio et on doit supporter ces conneries! Mais ça suffit! Je l'ai envoyé grimper sur la tour radio pour s'emparer des émetteurs et pour pirater les messages. Sauf que... Je sais grimper. T'as du cran, mon frère. Personne ne monte la garde, mais ce sera difficile. Promets-moi de ne pas tomber. C'est promis. D'accord. La guerre finit un jour. Je jure de plus jamais jeter une lignette de nourriture. Après tout ce temps...
C'est Jay, c'est sa balle. Bravo pour la tour, mon frère. On peut maintenant émettre sur sa fréquence pour dire la vérité au peuple. Quand tu auras le temps, va voir Longinus. C'est un ami du Sentier d'Or, il te sera reconnaissant pour ton aide. Longinus ? Un prêtre marchand d'armes. Il est un peu dingue, mais si tu veux des armes, c'est lui qu'il faut voir. Je t'indique où il est. Bienvenue, je suis Longinus. Et toi ? Tu es Edge. Bienvenue dans mon église, loin de l'église. Qui vend des flingues ? Bien sûr ! Car les doux hériteront de la terre, mon ami. Il ne leur manque que de bons flingues. Révélation 5-5, c'est une lecture très revigorante. Alors l'un des vieillards me dit... Ne pleure point, voici le lion de la tribu de Juda, le rejeton de David, qui a vaincu pour ouvrir le livre et pour briser ses 7 sceaux. C'est notre sauveur. Il nous est revenu sous la forme d'un lion, d'un guerrier. Alors, j'ai commencé à me dire, si le fils de Dieu est ressuscité, quel type de flingue voudra-t-il ? Quel... Quand le Christ revient pour briser les 7 sceaux et amener le ravissement, il est le lion, pas vrai ? Et un lion, ça a besoin de crocs ? Quelle flingue choisirait Jésus ? Deutéronome 32-47. Car ce n'est pas une parole vaine pour vous, mais votre vie. Ou bien... Proverbe 19-11. L'homme qui a la sagesse et l'homme à la colère. Je comprends pas ce que vous... Un soldat sait. Les soldats savent toujours. Car nous avons vu le ravissement. Et avons survécu. Il te faut des flingues pour faire le bien, Edge. Chaque arme est une bible. Et chaque balle, un sermon. Pour chaque tour radio que tu vas libérer des mensonges de Pagan, je te ferai un don. Un cadeau. C'est la volonté de Dieu. Tiens, voici déjà le premier. Banapour se fait attaquer! On a besoin d'hommes, et tout Sabal, de suite! Qu'est-ce qui se passe? On nous attaque! Ne t'empêche pas, Arsène! Alors il leur dit, allez de par le monde. Et prêcher la bonne nouvelle à toute la création! «
J'aimerais tellement que tu te souviennes de cette époque, AJ. Moi, ta mère et toi dans ses bras. Oh, les beaux jours. Elle n'a jamais été plus heureuse qu'à cette époque, et je dois dire que moi aussi. Nous faisions des projets, pas seulement pour notre petite famille, mais aussi pour le Dirat. Ce pays n'a pas toujours été comme ça, et j'aimerais revenir en arrière. Mais il est trop tard. J'ai essayé, j'ai vraiment, vraiment essayé. Mais cet endroit te démolit. Ne les laisse pas t'enfoncer, AJ. Ishwari ne t'a pas renvoyé ici pour ça, pas vrai? Sabal, qu'est-ce que je peux faire? Putain! Reste à couvert et souffle tout ce que tu pourras! Je suis pas loin, j'arrive avec des renforts! Padra!
Padra, t'es où? Les gens ont besoin de la voir, ça les rassure. C'est qu'une gamine, sa balle, et elle est terrifiée. Je vais la ramener, et puis ensuite on s'inquiétera pour les gens, d'accord? Merci. Ça va, toi? Voilà ce qu'on a gagné en sauvant AJ. On attaque Paul, et il massacre tout un village. C'est pas la faute d'AJ, c'est la mienne. Mais on verra ça plus tard. Ils ont pris l'avant-poste, et ils ont des otages. Bon, commence par l'avant-poste. Sans lui, on est coupé des autres. Allez.